Jacquet, je ne sais pas s'il est dans la salle, quelque part, parce que c'est lui le premier qui m'a parlé de cette série de photos. Il m'a dit, tu sais, il y a un livre qui était imprimé dans les années 50, hors commerce, que personne n'a vu, où il y a des photos des rocs. Donc nous, on est allé chercher ces livres, on l'a retrouvé chez un antiquaire, et donc on a contacté les héritiers, la fondation, et pour essayer de monter cette exposition, donc on est là. L'œuvre de papa est immense. Lui, j'avais tout ça, nous, on avait comme fille, et on n'avait aucune idée. Lui, c'était son monde. Mais une fois qu'il a disparu, je suis rentrée dans son archive, et j'ai lu tout ce qu'il y avait. Mais je voulais juste vous poser cette question, maintenant que vous voyez toutes ces photos ensemble, parce que je pense que c'est la première fois qu'elles sont montrées toutes ensemble, dans leur totalité, de toute la série de ces photos, quelle est votre impression? La première émotion et le choc, ça a été la première photo imprimée en chambre noire. Parce qu'en fait, ce livre est vieux. Le papier est devenu un peu jaunâtre. Et donc, j'ai toujours été habituée de regarder ces photos dans ce livre. Moi, j'étais déjà assez grande, donc ça ne me donnait pas d'émotion. Mais les voir, et en plus, ce soir, exposées comme ça, je dois dire vraiment, chapeau, c'est une exposition vraiment belle. Se guardate bene le immagini, noterete dei piccoli puntini bianchi, dei graffi, che noi abbiamo voluto lasciare a memoria proprio del tempo trascorso. Ovviamente oggi non si vedrebbero più le donne con l'abbigliamento, il ritratto che ne ha fatto Reuters, le caratteristiche del lavoro agricolo che ovviamente è meccanizzato e trasformato, ma se noi ci poniamo in alcune angolazioni del territorio regionale sono esattamente le stesse foto che ha visto Reuters. Je suis fière d'avoir fondé cette fondation parce que ça m'a permis aussi, sans savoir, de revivre Fulvio. Fulvio, c'était un homme très... c'était un ouragan, si on peut dire comme ça. Il progetto di Reuters parte dal francescanesimo, cioè il bel testo nel catalogo di Sandra Petrignani che parla del carattere degli Umbri e anche delle caratteristiche della regione, partendo anche dalla sobrietà di questa figura e di questa spiritualità. L'envie d'aller faire un voyage à l'Ombrie e découvrir justement la nature, mais aussi les villes d'art et tout le patrimoine d'une région qui est vraiment magnifique et qui mérite d'être visitée.